J'ai essayé totalement immergé dans le processus de dessin. Oh, man! Mais les gars deviennent un peu fous. Et il faut être plus prudent. Ils ont raté le dessin. Mais ils ont découvert quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Wow! Explorons ensemble. Il faut s'amuser. C'est le challenge. What? Qu'est-ce que c'est dans la main de Jess? Les gars, les règles sont simples. Celui qui dessine le mieux gagne le truc. Lily fait de son mieux. Elle dessine à une vitesse folle. Et ça fait fumer le papier. Et fais attention. On va devoir appeler les pompiers. Zach veut aussi participer. Mais il est difficile d'avoir un crayon. Emma a trouvé un autre moyen de se sortir de cette situation. Pendant que tout le monde dessine du mieux qu'il peut, elle construit quelque chose. Voyons voir. Ok. Waouh! Quel beau travail fait Lily! Zach, c'est un peu vieux, hein? Mais celui d'Emma est si naturel! C'est une cabine téléphonique! Mais Lily a gagné! Laissez-la prendre le prix! Mais Lily n'était pas assez agile! Il faut s'entraîner à autre chose qu'à dessiner, d'accord? Et nous commençons le prochain tour. Oh, une valise! Intéressant! Et dedans, vous n'allez pas croire, des barres d'or! Sauvez vos yeux! C'est mieux comme ça. Dans ce tour, vous devez peindre avec les yeux fermés. Prenez vos pinceaux et commençons. Regardez les garçons qui peignent avec les yeux fermés. Oui, certains ne sont même plus salis, mais ce n'est pas grave. Regardez comment chaque artiste a son propre style. Mais Zach triche. Ce n'est pas juste. Il a échangé les dessins. Stop. Et Jess ne l'a pas vu. Voyons qui va gagner maintenant. Est-ce pas notre Zach? Oui, le choix n'est pas si difficile cette fois. Bien sûr, c'est Zach qui gagne. Vous êtes heureux pour lui? Oui, qu'ils prennent l'heure. Mais comment ça l'a transformé? Il est devenu un homme très, très riche. Surprise! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Geste sérieuse? C'est dégoûtant. Personne ne veut le dessiner à la perfection. Alors les filles prennent rapidement leur crayon de couleur. Zach, tu prends le marron. Et Jess plaisante aussi sur le fait de le frapper au froid avec du papier toilette. Eh bien, il s'avère que ce n'est pas aléatoire. C'est juste un moyen de rendre le challenge plus intéressant. Oh, man! Au fait, Zach semble aller très bien. Eh bien, découvrons qui est le gagnant. Lily, tu n'as pas clairement essayé. Je peux voir ça. Emma? Ouais, jolie fleur. Et Zach a un dessin assez réaliste. D'accord, tout le monde, qui prend ça? Zach, attrape! Zach est terrifié. Et tout le monde l'est aussi. Relax, c'est juste un jouet. Vous aimez les Skittles? Nous l'adorons. Et c'est cool qu'il y ait autant de Skittles. Et la mission est toujours la même. Dessiner et gagner. Allons-y! Emma a trouvé une super façon de dessiner des bonbons.
Zack est impressionné. Et Lily a choisi la voie facile, mais efficace. Elle dessine juste avec ses doigts. Voyons ce que nous avons, d'accord? Toutes ces personnes semblent mériter un prix. Eh bien alors, vous l'avez? Waouh! Jess ne plaisante pas. C'était un peu effrayant. C'est cool qu'il y ait autant de bonbons. Il y en a pour tout le monde. On avance, littéralement. Qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup de pop-corn. On le dessine, bien sûr. Mais Jess, comme d'habitude, veut s'amuser. Oui, cette pluie de pop-corn est un peu gênante, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile à dessiner. Zack a décidé de ne pas s'énerver et de manger. Emma, de son côté, veut juste faire ce qu'elle veut et faire en paix. Le parapluie a bien fonctionné. Emma a eu un super dessin. Quel détail! Lily, c'est quoi ce gribouillage? Ça ne ressemble à rien. Il n'y a rien à montrer pour ça. Emma, félicitations. Une victoire juste. Maintenant, tu peux manger ton pop-corn. Eh bien, tu peux en donner au gars aussi, parce que tu n'es pas avide. Et ils font quelque chose d'amusant. Ils vont se moquer de Jess. Ah, c'est cool aussi. Allez, vous vous ennuyez. Il y a un sac de marque ici. What? Il s'avère que Lily est folle des marques. Les gars ne comprennent pas. Mais d'accord. Lily fait de son mieux. Mais ça ne se passe toujours pas bien. Et Zack ne fait aucun effort. Il a un dessin de génie. Comment ça? Lily fait tellement le sac, elle est prête à tout. Je me demande si elle peut réussir ce tour. Voyons quelques dessins, les gars. Oh, Lily, t'as beau essayer de trouver des astuces. Tu ne t'améliores pas en dessin. Le dessin de Zack est magnifique. Hé, les gars, se battre ne vous apportera rien de bon. Emma sort un sac déjà miteux. Mais Lily l'aime en tout et pour tout. Ça, c'est de la loyauté. Elle est si heureuse. Ouais, on ne comprend pas ça non plus. C'est juste un piment très fort. Oh, merde! De quoi as-tu si peur? Vous êtes sûr que vous en voulez pas? Allez! Vous devez juste le dessiner de toute façon. Zack est un peu trop excité. Et les filles dessinent déjà. Mais je pense que Zack a une idée. Voyons voir. Oh, il a renversé de l'eau sur le dessin sans faire exprès. Quelle nuisance! Sauf que le truc n'a pas marché. Le tour s'avérait être magique. Donc Zack, t'as perdu. Il va manger ce piment. Les autres dessins sont clairement inférieurs au tien, Zack. Regarde les choses en face.
Et voilà, il manque le piment et la réaction imprévisible. C'est très épicé. Oh, ça a un goût vraiment épicé, juste horrible. Pauvre Zach. Que pensez-vous de cette incroyable vidéo? Et notre bêtisier vous fera rire un peu plus pour la fin. Abonnez-vous et partagez avec vos amis.